Wow. Wow. Hey. Doucement, je viens de me réveiller. Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe ici? Excusez-moi, madame, je vous imprends, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé ici. Mais c'est pas grave. Salut tout le monde, je suis Ina, la seule inimique. Allez, reste pas ici. Et aujourd'hui, on se retrouve... bonjour. Dans... On se retrouve dans la merde. Un peu mieux. T'es en vie? T'es en vie, je sais pas qui. Qu'est-ce que... Ah! Oh! Ah! Léon! Si je me trompe pas. C'est Ada? C'est Ada? C'est Ada? Allez, c'est pas encore fini. Ça doit être Ada. Et ben voilà, on se retrouve aujourd'hui donc dans un premier épisode de Resident Evil 6. Je sais pas si c'est parce que c'est l'intro ou quoi. C'est tout à fait l'intro. Je suis en train de marcher en arrière. Je peux que me déplacer en avant. Hop. Là. Pardon, Ada. C'était pas fait exprès. Je ne ferai que te ralentir. Vas-y. T'es pas Ada, toi. T'es qui? T'es qui? Je laisse pas ici. Allez. Mais ici? J'ai jamais entendu parler. Allez. Est-ce que cette fois je peux me déplacer où je veux? Toujours pas. Allez, avance, t'as pas le choix. À traverser. Tu vas pas abandonner maintenant. C'est des toiles d'araignée. Elles tissent au câble. En Kevlar, c'est pas possible. Allez. Allez. Mais casse la planche. Ok. Allez. J'ai remis toutes les touches sur mon clavier glutine, mais je sens que s'il y a beaucoup de QTE, ça va être une très mauvaise idée. Qui a allumé la lumière derrière nous? Elle vient d'où cette lumière? Non, vraiment, elle vient d'où? Un bonhomme, un mort. J'espère qu'on va quand même avoir l'explication de ce qui s'est passé entre Révélation... Essayons par là. ...et le 6. On est presque sauvés. Oui! Oui! Certes! Apos. C'est quoi Apos? Aucune idée. Mais j'ai la désagréable impression d'avoir raté un bout de l'histoire, là, en fait. Ah, j'imagine qu'il y aura des flashbacks, comme pour Terra Grigia. On va faire une pause. À découvert. Bien. C'est pas grave. Oh. Ouh. Il doit bien y avoir une trousse de secours là-dedans. C'est bon, je peux me déplacer. Je peux pas viser. Je ne peux point viser, c'est pas grave. D'accord, je suis limité à me déplacer. Ça me rend malade de voir tous ces soldats morts. Oh, de l'herbe. Il a l'air vachement affecté, lui. T'es sûr de vouloir... D'accord.
D'accord. Léon, tu m'entends? Hannigan. C'est bon de t'entendre. Où se trouve Elena? Elle est mal en point. Elle a besoin de soins. Est-ce qu'il te reste des herbes? Un peu, mais ça va pas m'aider. Bon, écoute, tu vas suivre mes instructions. Oui. Ouvrir emplacement, ok. Yeah. Oui. Ok, je... Ça n'a pas l'air du tout instinctif pour... Tiens bon, Elena. Ça n'a pas l'air du tout instinctif. Par contre... Oh, je peux viser. Oh, j'ai un petit point rouge. J'adore ces vitres de véhicules militaires qui se cassent d'un simple coup de coude. Non, les vitres barbales, c'est réservé aux usagers courants de la route. Éviter le risque, les dommages, hein, ce serait dommage. Allez! Trop de bons agents sont morts aujourd'hui. Hors de question que tu les rejoignes. Léon. Je l'avais dit. C'est juste un zombard. C'est juste un zombard, tu crains rien. Une balle dans la tête et c'est réglé. Tu l'as déjà fait, Léon. Vas-y. Léon. Reste pas con. Ah. Non, tire-toi. Ouh, il va être bourré de QTE ce jeu. Tire-toi! Clac! Il devait pas y avoir grand chose là-dedans, c'est entré comme dans du beurre. Ouh. Je peux pas me détendre une seconde. Eh oui. Quoi? Utiliser tablette d'objet de fin. Ah oui, je voulais t'aider. Bon, avant tout ça, parce que je sens que sinon ça va être la merde. Merde. Tant de trucs que je sais pas à quoi ça sert. Oups, je suis allé trop loin. Ouais. Ce sera mieux. Parfait. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je peux plus bouger. Qu'est-ce que ça fait? Ok. Voilà. Voilà, là on est bien. Ouh! Comment tu te sens? Ça va aller, je crois. Merci. Léon, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez sortir de là, vite! On se dirige vers la tour Quad. Quoi? Non, c'est trop dangereux. Il y a des membres du BSA et des survivants. Je les abandonnerai pas. Ah, très bien. Laisse-moi t'aider. Je vais t'indiquer le meilleur chemin. Merci, Hannigan. Recoiffe-toi! Mais recoiffe-toi, Léon! J'ai transféré un guide pratique sur ton PDA. Ça pourra toujours être utile. La mèche de cheveux, il veut pas qu'on le regarde! Bon, le BSA, ça, je connais. Pouah, je suis pas habitué à tellement de qualité. D'accord, faut maintenir. Est-ce que je peux arrêter de courir comme un dératé? Non. On court de base. D'accord. Après tout, le 6, c'est pas un jeu de survie, c'est un jeu d'action. Je crois. Ça va pas me manquer ça, les vieux systèmes de visée, tout ça. Wow. Ils ont largué les bombes, ça y est. C'est la guerre. Au secours. Qu'est-ce
que... Ah, des zombards. Oh, il y a un avion qui s'est planté. Hannigan, on peut aller à la tour par là? Mais pourquoi? Oui, comment? Il faut continuer dans cette direction. Comment l'avion s'est planté là? Le... Il a l'air de là depuis longtemps, vu son état. Ils ont laissé un pilote zombie le prendre ou quoi? Bref. Oh, stylé! Oh, je vais me marrer! Allez! Bougez! Vous êtes sur mon chemin! Allez! Se tire! Bouge de là! Je m'en suis pris une. Hey! Petit repli, si j'y arrive. Ça a l'air beaucoup plus merdique que je ne m'y attendais. Ils arrivent de nulle part. Non, ils arrivent toujours quelque part. Léo, là. Ouf, tout va bien. Quoi? Comment? Ah, pourquoi j'ai une caméra comme ça? C'est nul! Qui a eu cette idée à la noix? Oh, un hélicoptère. Par ici! Montez! Pourquoi t'es descendu? Allez, faut y aller, en avant! Oui! Ah non, tire-toi! Dégage! Je m'étais engagé pour tuer des zombies, moi, pas pour la guerre! Quoi? Qui t'a tué? Comment t'es mort? Qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai raté mon permis. Ouah, des hélicoptères, bordel de merde! Qu'est-ce qui se passe? Allez, remonte! J'ai pas mon permis pour conduire ce genre de véhicule! Ce truc va pas tenir très longtemps! Non, tu crois? Encore une centaine de mètres! Eh, on va. Non, mais laisse-le! Ah! Elena! Hop là! Non! Pas de touche! Ouh! Ah! Ah! Wow! Tiens bon! Ah! Pourquoi les métros fonctionnent encore? J'allais dire qu'on arrivait au boulot, mais je crois qu'on a raté le boulot. Hop. Wow. Ah. Merde. Oh merde, on a des admirateurs affamés. Oh merde. Non. Tu vas bien? Oh la vache! C'est bon! On peut respirer un peu! Pouah, mais c'est quoi ce bordel? Je suis plus dans Resident Evil là, c'est pas possible! Oh la vache, le rythme! C'est... Pouah!
Bon, vous l'aurez compris, j'ai eu personne dans le laps de temps entre Révélation et le 6 pour avoir quelqu'un d'intéressé à jouer. Donc je suis en solo, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est de la merde comme ça. D'accord. Hou. Ha. Hou. Pardon. Ah, ça, c'est les ouvertures de portes comme je les aime bien. Et où est-ce qu'on... Umbrella ? Cloche. Symbole au sol, c'est le symbole d'Umbrella. Où est-ce qu'on est ? On est quand même pas dans le siège. Léon ? Ah, d'accord. Quand même pas dans le siège de Umbrella, si ? Attention, je me prépare à ce que tout saute. Et qu'ils se relèvent tous. Je crois qu'il en redemande. Wow, wow, wow. C'est pas vraiment ce que je disais quand je m'attendais à ce que tout saute. Wow. Wow. Ça prend des allures de film d'un coup. Ouh. D'accord, tutoriel complété. Ah, c'était que le tutoriel. J'ai pas envie de voir la suite. Ah, et ben on a trois campagnes. Du contenu, on a commencé avec Léon. On va continuer avec Léon. Difficulté, oui, oui. On va garder Léon. Hein. Un peu plus tôt, j'espère. Ou pas. Les armes biologiques menacent les travailler avec le reste de l'homme, c'est en un incident. Beaucoup de personnes veulent me dissuader, mais j'ai l'intention. Ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. Responsable pour avoir une chance. Votre amitié a toujours compté. Restez où vous êtes. Monsieur le Président! Faut tirer. Appuyez sur la bagagette. Ah, tirer. La situation n'était pas assez critique pour que je tire tout de suite. Sur la situation. On n'a plus de président. Faut tenir de nouvelles élections. Je viens de tuer le président. Comment ? Il avait déjà été infecté à notre arrivée. Léon a fait ce qu'il fallait. Il m'a sauvé la vie. C'est terrible. Très bien. Je transmets l'info. Vous, de votre côté, essayez de vous sauver de là. Le virus s'est déjà répandu à 4 km autour du campus, et il ne ralentit pas. Des
Dépêchez-vous. Il faut qu'on inspecte la cathédrale de Tholox. L'agent Kennedy a une piste qui pourrait mener aux responsables de tout ça. Léon, c'est vrai? Oui? Oui. Je tiens peut-être quelque chose. Entendu. Je vais chercher le chemin le plus sûr. Je vous recontacte. J'ai une piste. Suis-moi et tu en auras une. Je... Ok. What the heck? Adam, je suis désolé. Qu'est-ce que cette église a de si spécial? Tu as des péchés à confesser? C'est dur à expliquer. Si je ne te le dis pas à la cathédrale, tu ne me croiras pas. Est-ce que tu travailles pour Umbrella? Parce qu'à ma dernière nouvelle, quand on a voulu infecter le président, enfin, prendre le contrôle du président, tout ça, c'était via Ashley. C'était moi qui l'ai secouru et désinfecté et tout ce qu'il faut. Donc, si vu ce qui s'est passé, j'imagine que c'est... Non, c'est la situation est pire. Donc, t'es de Umbrella ou pas? Pourquoi la fenêtre est tout... J'avais un souci. Bref, avançons, Nora. Tu me raconteras tout une fois qu'on sera à la cathédrale. Ok? Ok. Fine! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais rangez vos flingues. Si vous voulez même pas vous en servir, rangez vos flingues. Ici aussi. C'est de pire en pire. Qui les a tués, ceux-là? On ne peut pas piétiner les cadavres. C'est le bureau de qui, ça? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de petit truc avec des noms, ni sur les portes, ni rien. C'était le bureau d'un type. Quoi, le portrait? Il a des oreilles en or ou quoi? Oh, je me souviens ces trucs-là C'était dans quoi? Dans Superliminal où il fallait tous les activer. Oh, allez! Le courant est coupé. Ivy University, je suppose. Et ok. On est où là, en fait? Ça parle de campus? Il est où l'horloge? Alors, Triol. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi tous ces ballons? Elle est où l'horloge? Il y a un truc qui fait tic-tac, mais il est où? Il n'existe pas! J'ai l'impression que c'est le coin de mur qui fait tic-tac. Un des petits fours des gâteaux! J'arrive pas à mieux lire. Bon. J'espère que c'est pas trop pressant, hein. Ok. Si t'en vois un, vise la tête. Ça marche bien. Compris. Ah! C'est là que la réception devait avoir lieu. Ils seraient tous là en train de dîner ici. Tu penses qu'il y a des survivants? Non! J'espère bien. Quoi, la taille des ballons? J'allais dire que quelqu'un doit passer un sacré mauvais anniversaire, mais. Je suis même pas sûr que ce soit le cas. Attends. Wait, what? Pourquoi? Je peux pas tirer! Ah d'accord, j'ai pas de munitions en fait. Bon.
Ben, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui à l'entrée de cette réception. En tout cas, j'espère que ce premier épisode plein d'action et d'adrénaline vous a plu. Moi, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ah, faut que j'aille en dessous. Bye bye les gens.